Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un test de produit Stylvana. Ça fait assez longtemps, je crois, que j'en ai pas fait. Donc, j'ai un article qui m'a été demandé de tester. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, je vous montre ça. Oui, bien sûr, il y a tout qui vient. Je vais tester le gommage au miel. Voilà. C'est... Je vous dirai après ce que c'est. On va faire un par un. Je vais tester le patch pour les lèvres juste après. Comme ça, je me fais un bon soin lèvres, du coup. Parce que c'est l'hiver et que j'ai les lèvres gercées. La bottle juice. Voilà. Et le masque au chocolat. Cela, ça a fait le buzz. Hein. Moi, j'arrive un peu après la guerre, mais c'est pas grave. Alors, donc, le gommage au miel. Le gommage au miel. Allez, sors de là. On y croit. Hein. Il sort pas. Allez, on sort. On sort de son auge. Mais comment ça sort, ça? C'est fou, ça, faire des emballages toujours plus compliqués. Bon, j'essaye de le sortir, je reviens. Bon, voilà. J'ai réussi à le sortir. Donc, excusez-moi si je renifle, c'est que je suis enrhumée à mort, en fait. J'ai beau me moucher, ça fait rien. Donc là, je parle avec le nez, je suis désolée. Puis j'ai la voix cassée parce que je travaille avec des enfants et que je passe mon temps à crier. Donc, voilà. Alors. Blueberry hydratation. Oui, donc au miel et aux myrtilles de la marque Frugia. Et voilà, c'est un gommage. Allez, on va tester ça. Mais il n'y a pas écrit comment on s'en sert. Il n'y a pas écrit comment on s'en sert. Bon, tant pis. Je vais faire au feeling. Hein. Est-ce qu'il faut rincer après? Ah, c'est pas un gommage. C'est vraiment un baume à lèvres. Du coup, il va falloir que je fasse mon lip... Lip care avant. C'est pas un gommage. C'est un... C'est vraiment un baume à lèvres en fait. Alors attendez. Alors, je peux vous dire qu'il est très agréable. Je vais l'enlever un peu. Parce que je vais faire le lip care avant. Voilà, je vais faire ça. Et je remettrai ça tout à la fin du coup. Moi je pensais que c'était un gommage. Donc un gommage ça se met en premier après le lavage. Mais. Là. Ouf. Ah, ça m'énerve mon nez là. Il est où le patch? Cette vidéo est anarchique. Bon, on se retrouve dans un quart d'heure. Hein. Ah, ça fait du bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors. Aujourd'hui, c'est anarchique. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. J'ai oublié, avant de mettre le masque sur les lèvres, de vous faire un petit topo de ce masque. Donc, c'est la marque Botanical Choice. Donc, c'est un patch pour les lèvres. Enrichi en beurre de karité, en extrait d'érelle.
en huile de jojoba et en vitamine E. Voilà. J'arrive pas à dire. Nourrition, nourri. Le patch gel nourrissant intense pour les lèvres. Je n'y arrive pas aujourd'hui. C'est dingue. C'est un jour. Non. Aujourd'hui, ça veut pas. Apaise les lèvres sèches, abîmées et gercées. Ses propriétés Oh, j'y arrive pas. Hydratante, longue durée, laisse les lèvres si douces et si tendres qu'elles donnent envie de les embrasser. Ok. Donc voilà pour ça. Je suis désolée, j'ai la voix complètement cassée. Je dois être horrible à entendre. Donc, je vais passer à My Juicy Bottle Mask. Donc, c'est un masque en tissu. Donc, je le mets et je vous en parle. Mais bon, il n'y a pas écrit en français. Donc, alors là, j'en ai aucune idée. Il faut laisser poser combien de temps? Enfin, parce que s'ils disent pas le temps. 10 minutes. J'aimerais pouvoir l'ouvrir, les gars. Ah, voilà, par là. Franchement, j'adore le packaging. Oh, punaise, va le chercher, toi, là-bas, au fond. Allez, on remonte. Non, c'est le produit que je fais remonter, là. Oh, ouais. Oh, tout le produit. Je reviens, parce que là, c'est une catastrophe. Vraiment, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bon, j'ai nettoyé tout ça, mais comment vous dire qu'il y en a de partout? C'est n'importe quoi. Pourquoi il y a autant de liquide? Oh, il y a plus de liquide que... Oh là là. Le masque, il baigne dans le liquide, mais plus que d'habitude, en fait. C'est vraiment... Il est rempli de boissons. Enfin, comme s'il était rempli de boissons. Enfin, la bouteille, vu que c'est une bouteille. On va aller à fond dans le jeu. C'est rempli de liquide dedans. De gel là. Là, c'est imbibé comme jamais. Malheur! Oh là là, mais le truc il fait quatre fois ma tête. En plus de ça. C'est comique hein, les tests avec moi. Ah, mes lunettes! J'en ai marre! J'en ai marre! Malheur! Non mais... C'est pas possible à un moment donné de faire autant de conneries dans la même vidéo, genre... Oh, c'est gelé! Non mais c'est pas possible de faire autant de conneries dans une même vidéo. Le trois quarts de la vidéo c'est des conneries. Genre, j'espère vous rigolez bien hein, parce que là, hop. Voilà. Donc ça c'est mis. 10 minutes. Donc My Juicy Bottle. En poudre de jus, ouais, jusque-là j'ai compris. Il y a du collagène, il y a de la tomate. Ça veut dire quoi? Airbag cheat? Je sais pas. Il n'y a pas de français donc je galère un peu, je vous avoue. Mais c'est au collagène quoi. Rend la peau élastique et radiant. Radiant. Radiant en anglais, ça veut dire aussi radiant en français? Je sais plus. Radieuse. Voilà. Adoucit la peau. Et dedans, il y a aussi de la grenade. En plus de la tomate. Ils nous font des mélanges. Donc voilà. La marque, c'est Cynique. Voilà. Cynique, je sais pas si vous voyez avec la ring light. Voilà, cynique. Donc voilà.
Donc on se retrouve dans 9 minutes maintenant. Bon bah voilà, ça fait 10 minutes. Oh, ça fait un bien fou. Je n'ai rien pour le poser. C'est là. Voilà. Ok. Oh, j'ai une sale tête aujourd'hui, hein. Il n'y a rien qui va. Appelez. Voilà. Fait pénétrer. Ça va. C'est agréable. C'est un masque, quoi. J'ai envie de vous dire, comme les autres que je teste depuis le départ. Il a rien de transcendant en fait. C'est juste le packaging qui donne envie. Mais sinon, ça va. Bon, et maintenant le dernier, je vais tester le masque au chocolat. Donc, est-ce qu'il sent vraiment le chocolat? Telle est la question. J'ai ouvert, ça a déjà giclé partout. Je la sens mal. Hop. Ah, mais. Ah non, ça sent pas très très bon. Alors. Ouais, ça sent le chocolat, mais le chocolat savonneux, quoi. Enfin, c'est bizarre. Ça sent. Alors, je sais pas si vous, quand vous étiez petite, peut-être les personnes plus âgées que moi, de 5-6 ans, vous avez eu le jeu, le loto des senteurs. Vous voyez? Eh ben, l'odeur du lait. Avec les années qui passent, bah c'est ça avec une petite odeur de chocolat. Et moi, je sais que je détestais cette odeur de lait. Là, c'est bizarre comme odeur, hein. Vraiment, c'est particulier. C'est pas ouf ouf. Ouais, vraiment, ça sent le chocolat savonneux. Ça sent pas le chocolat. Enfin, c'est bizarre. Alors, si vous voulez vraiment retrouver l'odeur du chocolat, passez votre chemin. Après, si vous vous en foutez, bah ok. Allez, on y croit alors. En tout cas, le tissu, il est agréable. Ça va. Il est élastique. Que certains ne le sont pas. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Alors, je m'essuie les mains. Voilà. Alors, que peut-on dire? La marque, est-ce que je l'ai enlevée? La marque, c'est Apieu. C'est écrit en tout petit, donc A apostrophe PIEU. Donc Apieu. Et c'est la gamme Milk One Pack Face Mask. Mon anglais est éclaté au sol. Bref, alors celui-là c'est au chocolat comme je vous l'ai dit. Air Pocket Sheet. Je sais pas ce que ça veut dire. Air Pocket Sheet encore. Et il n'y a pas de français. Nickel. Formule avec de l'extrait de cacao. Adoucit la peau. Et aide à régénérer la peau. Waouh, je suis de plus en plus forte en anglais, moi. Ça aide, hein, de faire des tests masques de produits qui viennent d'ailleurs que la France. Alors, faut laisser 10 minutes. Et voilà, il n'y a rien d'autre qui est dit. Ah! Il y a du lait aussi dedans pour un maximum d'hydratation, il y a écrit. Et le Air Pocket Fibre, je comprends toujours pas. Voilà, donc bon, tant pis. Donc voilà, punaise. Oh, je suis trop contente parce que là, ça fait plus d'un mois et demi que je ne suis pas allée à Action.
Ouais, c'est ça. Plus d'un mois et demi que je suis pas à l'action. Normalement, j'y vais au moins deux fois par mois. Donc, j'ai fait un gros effort. Et là, je travaille pratiquement 7 jours sur 7. Donc, je n'ai pas le temps d'y aller. Et là, aujourd'hui, là, juste après cette vidéo, j'y vais. Donc, si je trouve des trucs, ça débouchera sur un haul très prochainement. Sûrement juste après cette vidéo, parce que je n'ai pas de vidéo prévue après celle-là. Donc voilà, j'ai rien prévu. Donc normalement après ça là, ce sera un haul action. Mais ça dépend si j'ai trouvé quelque chose. Hein. Mais bon, je trouve toujours mon bonheur à action. Et comme ça fait un moment que j'y suis pas allée, je pense qu'il y a des nouveautés. Donc voilà. Bon, je reviens dans 8 minutes maintenant, parce que ça fait bien voilà 2 minutes que je parle. Donc dans 8 minutes, à tout de suite. Bon, bah voilà, ça fait 10 minutes, du coup, enfin 8 minutes. Il me fait des sensations bizarres, il me pique un peu. Ça me gratte en fait, le tissu me gratte. Donc je sais pas si c'est leur effet là, Air Pocket Sheet, mais ça me gratte partout où il y a le masque, ça me démangeait en fait, j'en avais marre. Donc voilà, bon là, la texture qui reste sur la peau est très agréable. J'ai l'impression d'avoir de la crème. Là, voilà, on fait pénétrer. Voilà, là. Parfait. Bon, j'aurais pas dû mettre un col roulé parce que normalement je descends jusqu'au cou, mais voilà. Bon. Ce que je peux dire, l'odeur, j'aime pas trop de celui-là. C'est pas ouf, mais c'est supportable. Il me pique. Donc je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais moi ça me pique, ça me gratte, ça me dérange. J'ai jamais eu ça avec un masque, donc je sais pas si c'est normal. Je suis allergique à rien, donc je pense pas que ce soit une allergie, ma peau elle va très bien. Mais voilà. Après, la texture est bonne, je sens ma peau bien quoi. Smoothing comme ils disent. Voilà, franchement, l'effet est pas mal. Donc voilà, mis à part ça, il fait son job. Mais voilà. Donc maintenant, je vais remettre lui. Donc, il sent vraiment la myrtille et le miel. Hein. Là, à l'intérieur, c'est vraiment un pot. Et dedans, voilà, c'est comme ça. Franchement, j'adore. Hein. Voilà. J'en mets une sacrée couche, je vous le dis. Rien à voir. Voilà, même sur la peau. Mais alors, j'en ai vraiment mis de partout. Voilà, ça colle un peu. Ça va à ma lèvre après. Hein. Et voilà. Hop. Hop. Voilà. Ah, je l'adore. Il est épais. Il a vraiment. Alors, non, ouais. Je me suis mis un truc dans la bouche. Alors, on a vraiment l'impression d'avoir mis un film, genre une barrière. Si je sors dehors là au froid, là il fait moins 1 je crois dehors à cette heure-ci, bah, je suis sûre d'être protégée en fait. Ça fait comme une barrière au froid. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ce baume à lèvres, je le kiffe. Bon, je pensais que c'était un gommage au sucre, hein, vous voyez, avec du miel, mais je me suis trompée. Mais en vrai, ça m'arrange. Parce que vu la quantité, je me suis dit, j'ai payé un gommage qui va me servir peu de fois. Et c'est vraiment tout petit, quoi. Donc, je sais qu'au final, pour la quantité, d'avoir un baume à lèvres, bah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que juste on met une couche et ça va. Donc, je suis quand même assez contente. Bon, déçue de ne pas avoir eu un gommage, mais contente de la finalité. Donc voilà. Franchement, je l'adore. Je vais le mettre dans mon sac direct. Je pense que je vais l'utiliser tout l'hiver parce que je le kiffe. Là, je le kiffe. Je sais qu'il. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. Il y a un feeling avec et tout. Non, franchement, je le kiffe. Donc voilà. Bon, bah cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous ai éclairé sur certains produits. Que vous vous êtes dit, ah bah non, au final, je vais pas le tester. Lui, ah bah oui, j'ai très envie de le tester. Bah, j'espère que je vous aurai aidé. C'est le but de ces vidéos. Et voilà. Je vous invite à me suivre sur ma page Instagram. Voilà. Je poste. Comme je vous le dis, je poste en ce moment. Bon, ça fait quand même
une ou deux semaines que j'ai pas posté, mais bon, je travaille tellement que j'ai pas le temps de faire des photos et de poster. Mais ça va se calmer. Bientôt, on y croit. Encore jusqu'au 8 mars comme ça, et ça ira. Bref, je vous invite aussi à vous abonner à mon compte YouTube si je vous plaît, si mes vidéos vous plaît. Likez cette vidéo si elle vous a plu, si je vous ai aidé. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous incite, là je vous incite vraiment, à activer la cloche pour les personnes qui sont abonnées, pour être averti de mes sorties de vidéos. C'est toujours mieux. Bon, après, c'est toujours le jeudi soir, hein. Là, le dimanche, j'ai arrêté en ce moment parce que j'ai pas trop le temps de tourner des vidéos. Donc, pour l'instant, je me tiens au jeudi et on verra plus tard pour les dimanches. Mais pour l'instant, pas de vidéo le dimanche. Voilà. Ciao, ciao!